Salut les vilains! Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode de l'aspect sur le Metal Gear Solid. Donc la carte est rouge, donc c'est parti. Ouais, j'ai fait attendre hors vidéo, c'est pour ça que j'avais arrêté ici la dernière fois. Petite technique, pour pas qu'on se tape 5 minutes à attendre pour la carte, voilà. Voilà. Par contre, on va se taper le chemin. Ouais, ça, faut pas déconner non plus. Hein, voilà. On fait des petites gaises, mais on va pas faire tout le jeu non plus hors vidéo. Donc, en avant. En plus, on va peut-être avoir un petit dialogue sympatoche sur le chemin, qui sait. En tout cas, là, on est vraiment sur le point, finalement, de finir. Parce que là, on rentre la carte, là, rouge. Et techniquement, on a contré les plans des terroristes, puisqu'on empêche l'activation de l'ogive nucléaire. Et apparemment, on ne peut utiliser les cartes qu'une seule fois. Donc, c'est définitivement qu'on les empêche, là. D'ailleurs, je trouve ça bizarre. Ils ont réussi à activer l'ogive comment, puisqu'ils n'avaient pas les cartes et que les cartes servent à activer, en fait. C'est ça que j'ai pas... trop capté. Je sais pas. Après, vous savez... généralement, souvent plus les doublages sont vieux, moins on peut leur faire confiance. Peut-être qu'ils ont oublié un élément important, ou alors qu'ils ont raconté du bullshit. On sait pas trop. Et puis après tout, c'est pas très important. C'est surtout que j'essaye de couvrir ce silence et ce passage où il ne se passe rien en fait. Tout simplement. Donc là, ça va être chaud. C'est ce que je craignais, enfin. Ça va être chaud, ça va être froid plutôt. Et du coup, la carte risque de passer en température ambiante. J'espère que je suis parano. Hein, voilà, ça serait vraiment pas mal. Mais si on devait être à fond sur la logique, c'est ce qui devrait se passer. Snake, vous me recevez? C'est Naomi. Naomi? Mais nom de... Campbell et les autres sont occupés. Je suis sur un autre codec. Naomi, est-ce que le colonel a dit vrai? Oui. Mais tout ce que j'ai dit n'était pas faux. Il y avait du vrai. Qui êtes-vous? Je n'en suis pas sûre. Je ne sais ni mon vrai nom, ni même à quoi ressemblaient mes parents. J'ai acheté mon identification. Mais mon intérêt pour la génétique est réel. C'est vrai. Vous vouliez savoir qui vous étiez, c'est ça? C'est ça. Je veux savoir d'où je viens, mon âge, ma race, n'importe quoi. Naomi. On m'a trouvée en Rhodésie dans les années 80. Une petite orpheline. La Rhodésie, qu'on appelle maintenant le Zimbabwe. Oui. La Rhodésie a appartenu à l'Angleterre jusqu'en 1965, et on y trouvait de nombreux travailleurs indiens. C'est sans doute de là que vient ma couleur de peau, mais je n'en suis pas sûre. Naomi, vous vous accrochez trop au passé. Comprendre qui vous êtes devrait suffire. Comprendre qui je suis? Pourquoi? Moi, personne n'essaie de me comprendre? J'étais si seule. Jusqu'à l'arrivée de mon grand frère. Et jusqu'à son arrivée. Votre grand frère? Oui. Frank Jagger. Quoi? Il était jeune soldat quand il m'a récupéré sur les bords de la rivière Zambèze. J'étais à moitié morte de faim. On a partagé ses rations. Oui. Frank Jagger, l'homme que vous avez détruit, était mon frère et ma seule famille. Non, Gray Fox. Frank et moi, nous avons survécu à l'enfer. Il m'a protégé. Il est mon seul lien. Le seul lien avec mon passé. Et il vous a rapatrié aux États-Unis? Non. J'étais au Mozambique quand il est arrivé. Qui il? Vous voulez dire Big Boss? Oui. C'est lui qui nous a offert cette terre de liberté, l'Amérique. Mais ensuite, mon frère et lui sont partis en Afrique pour continuer la guerre. Et tout s'est écroulé. Vous avez tué mon bienfaiteur, et vous avez rendu mon frère infirme. J'ai juré vengeance, et je rejoins Foxhound. C'était la meilleure chance que j'avais de vous rencontrer. Et j'ai prié pour un miracle. Et le miracle s'est produit, hein? Oui, après deux longues années. Juste pour me tuer? Simplement pour ça?
Oui, je vous attendais, Snake. Pendant 2 longues années, vous étiez toute ma vie. Une sorte d'amour à l'envers. Et vous me haïssez toujours? Pas exactement. J'avais partiellement tort à votre sujet. Et les Kisnek? Et les autres? Ils paieront aussi, chacun leur tour. Naomi, c'est vous qui avez tué ce docteur. Celui qui se servait de Grey Fox pour ses expériences de soldat génome. Le docteur Clark? Non, c'était mon frère. J'ai camouflé le meurtre et je l'ai aidé à s'enfuir. Donc Grey Fox est bien le ninja. Il est venu ici pour me tuer. Non, je ne pense pas. Il veut juste se battre. Je n'étais pas sûre, mais je crois bien que maintenant je le comprends. Il ne vit que pour un combat à mort avec vous, j'en suis sûre. Fox, non. Naomi, dites-moi quelque chose. Au sujet de Fox Die? Fox Die est un type de rétrovirus qui ne tue que des individus présélectionnés. D'abord, il infecte les macrophages du corps de la victime. Fox Die possède des enzymes intelligents, issues de la manipulation protéique, et programmées pour répondre à des empreintes génétiques spécifiques. Ces enzymes reconnaissent l'ADN des victimes? C'est ça. Elles réagissent en s'activant, et par les macrophages, elles commencent à produire de l'epsilon TNF. Pardon? C'est une sorte de cytokine, un peptide qui cause la mort des cellules. L'epsilon TNF est transporté par le flux sanguin jusqu'au cœur, où elle se colle au récepteur de TNF des cellules cardiaques. Causant ainsi une crise cardiaque. Les cellules cardiaques subissent un traumatisme et entrent en une phase d'apoptose qui entraîne la mort. Apoptose? Vous voulez dire que les cellules cardiaques se suicident? Naomi? Quoi? Vous avez dû programmer ce truc pour qu'il me tue aussi, non? Il me reste combien de temps? Naomi, je ne vous en veux pas de vouloir ma mort. Mais j'ai un boulot à finir. Je dois vivre encore un peu. Vous savez, Snake, ce n'est pas moi qui ai pris la décision d'utiliser Fox Die. Hein? Pas vous? Non. L'injection de Fox Die faisait partie intégrante de cette mission. Il fallait que vous le sachiez. Non, ce n'est pas toute la vérité. Hein? Ce que je voulais vous dire, c'est que... Snake, je... Hé, qu'est-ce que vous faites là? Naomi! Snake, je ne peux plus autoriser Naomi à établir d'autres transmissions. Quoi? Naomi ne fait plus partie de cette opération. Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par Fox Die faisait partie intégrante de cette opération? Colonel, laissez-moi lui parler. Non, elle est en état d'arrestation. Colonel! Tu m'as doublé! La seule chose dont tu dois te préoccuper, Snake, c'est de stopper Metal Gear. Ok, Snake? Putain, c'était une... Ah ouais, c'était une mission suicide depuis le départ, quoi. Ils m'ont injecté un virus pour que je crève à la fin. Mais à ce qui paraît, il y a le... Ouais, on a parlé d'un vaccin de Fox Die. Ça m'étonnerait que Snake meure dès le premier opus, quand même. Hein. Ça serait chelou. Même si je sais que dans les opus suivants, enfin ça suit pas chronologiquement parlant, puisqu'à un moment on va contrôler Big Boss, puis Snake, puis Big Boss. Big Boss qui s'appelait Snake lui aussi d'ailleurs. Hein. En fait, Big Boss s'appelait Snake, et nous, on nous appelle Snake parce que c'est plus rapide, mais en vérité on s'appelle Solid Snake. Voilà. Et l'autre s'appelle Liquid Snake, et évidemment descendant de Snake tout court en gros. Merci pour la ration habituelle. Là, par contre, on va se faire canarder. Tout à l'heure, j'avais réussi à prendre aucun dégât face à ces trucs-là. Et c'était vraiment par pure chance. Ok, on est passé. J'aurais peut-être dû récupérer les balles, là. Je sais pas ce que c'était, mais ça doit être utile, en tout cas. Là, on va se soigner. Hop. Attendez, je veux quand même vérifier. Je sais pas, mais j'ai super peur. Non, c'est bon. Ok, ok, ok. Allez, on va y arriver à temps, on va y arriver à temps. On va activer le dernier protocole de désactivation du Metal Gear Rex. Et on sera tranquille. Ah! Profit
qu'est-ce que c'est? Ok, des chaves grenades. Putain, je pense qu'on va en avoir besoin, vu combien ils nous en donnent. On doit en avoir au moins 30 sur nous, là. Ok. J'ai voulu tourner deux épisodes de Metal Gear d'affilée, là, tellement j'étais pressé de voir la fin, mais je commence à avoir les yeux qui brûlent. Je souffre. C'est pas grave, c'est pas grave, on va tenir. Je sais qu'il va y avoir, à mon avis, beaucoup de cinématiques. Il y en avait déjà beaucoup durant le jeu. Moi, j'aime les cinématiques, quand elles ont vraiment des trucs intéressants à dire, et là, pour le coup, ça, c'était vraiment des cinématiques good, quoi. Attends, merde. Est-ce que je peux te tuer comme ceci? Lui, le pauvre, à chaque fois, il revient, à chaque fois, il meurt, quoi. Ils réunissent les Dragon Ball trois fois dans l'année rien que pour ce petit connard. Alors, là, l'échave grenade. Donc, merde. Ah merde, j'ai pris le scope sans faire exprès. Échave grenade. Hop là. C'est bon, on peut y aller. On va activer le dernier truc. On sortira pas le key. Code PAL 1003 confirmé. Saisie du code PAL terminé. Code de mise à feu activé. Non, pourquoi? Missile prêt au lancement. J'ai désamorcé. Mais c'est exactement ce que j'avais dit, il est con en fait. Snake, je te remercie d'avoir entré le code de mise à feu. Maintenant, rien ne peut arrêter Metal Gear. Maître, qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé la clé, et tu nous as aussi activé la tête nucléaire. Je t'en suis très reconnaissant. Désolé d'avoir eu à t'impliquer dans ce méli-mélo d'alliage thermovariable. De quoi est-ce que vous parlez? Nous n'avons pas pu obtenir le code du chef du DARPA. Malgré ses pouvoirs psychiques, Mantis n'a pas pu lire ses pensées, et Ocelot l'a tué accidentellement pendant l'interrogatoire. En d'autres mots, on ne pouvait pas lancer le missile, on était donc inquiet, tu penses? Sans lancement de missile nucléaire, pas de menace, donc pas d'exigence. Que voulez-vous dire? Sans les codes de mise à feu, il nous fallait envisager d'autres options. J'ai donc décidé que tu pourrais te révéler utile, Snake. Attends, mais notre maître, ça serait pas Liquid Snake depuis le départ? Tu pourrais peut-être nous fournir des informations. Donc, Decoy Octopus s'est déguisé en chef du DARPA. Malheureusement, Octopus n'y a pas survécu. Merci, Foxdie. Vous voulez dire que tout a été manigancé? Tout ça pour que j'entre le code de mise à feu? Non. Ne me dis pas que tu pensais être arrivé aussi loin grâce à ton talent. Mais qui êtes-vous? Enfin, on a terminé les préparatifs de mise à feu. Après avoir entrevu la puissance de cette arme, la Maison Blanche ne pourra que me remettre le vaccin Foxdie. Maintenant que leur arme secrète a été mise hors de combat... Arme secrète? Le plan du Pentagone de t'utiliser a parfaitement réussi dans la salle de torture. Oh Snake, tu es le seul qui ne sache rien, imbécile. Mais qui êtes-vous à la fin? Oh, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Si tu viens jusqu'à moi, bien sûr. Où êtes-vous? Juste à côté. Snake, ce n'est pas Maître Miller. Bien trop tard, mon cher Campbell. On vient de découvrir le corps de Miller à son domicile. Il est mort depuis au moins 3 jours. Je ne comprenais pas pourquoi ma communication par codec avec Maître Miller était coupée. Mais Mailing m'a appris que le signal provenait de la base. Alors, c'est qui? Snake, tu es en train de parler à... À moi, mon très cher frère. Liquide. Mais comment? Je n'ai plus besoin de toi. Tu peux mourir. Hein? Putain, on s'est fait manipuler comme des gros connards. Mais attends, quoi? Non mais comment je m'en sors là? Chauffe grenade. Je vois que ça marche. Attends, mais je perds pas de vie là?
Je ne perds pas de vie. Ah oui, parce que j'ai encore de l'oxygène. Mais comment je fais? Je peux en sortir là? Oh! Je me suis fait niquer comme un connard! Et je vais mourir? C'est cool! Mais y a pas de solution. Je ne vois pas de solution. Je vais devoir attendre. Attendre ma mort et comprendre ce que j'ai mal fait. Non, d'ailleurs, on va venir m'aider au dernier moment, c'est pas possible. On va pas vraiment mourir là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'attaque la porte au Stinger. Laisse. Oh! Oh oui! Peut-être que. Ça a marché? J'aurais peut-être dû faire ça depuis le départ en fait. Je vais mourir! On va se laisser crever, je sais pas ce qu'on est supposé faire là. Vas-y, on va mourir, voir. Non, game over. Snake, qu'est-ce qui s'est passé? Snake! Snake! Pourquoi? Pourquoi game over? Attends. C'est quoi? Je vais pas me faire niquer deux fois. On va détruire les trucs. Attends, merde. On va détruire les trucs au Stinger là. Attends. Lui déjà. Boum. Ok, de 1. Là du coup on va quand même lancer une chave grenade. Hop. Je sais pas si ça va servir à quelque chose. De détruire les trucs là. Hop, on rentre. Là, hop, comme ceci. Stinger. Parce que là du coup ils pourront plus faire la cinématique avec les caméras qui nous détectent, forcément. Puisque je les ai détruits. Oui. Donc là, pas le key. On active le dernier truc. On va passer, hein. Puisqu'on a déjà tout vu, toute la révélation, ça va te taper tout pour rien. Blablabla. J'ai compris, tu m'as niqué depuis le départ. Tu es Liquid Snake. En fait, tout ça explique pourquoi on a été envoyé mission top secrète que la Maison Blanche n'était pas au courant. Mais du coup, Campbell. Je sais pas, il fait le gentil avec nous alors que logiquement il aurait dû être au courant que de base tout ça c'était pour qu'on se fasse avoir, non? Pour moi, Campbell, c'est un méchant l'histoire. Non mais on se fait niquer. On se fait niquer dans tous les cas. Bah attendez, je vais regarder à Solus parce que là je comprends pas. Je me pose, hein. Alors Solus. Control room. Après une petite discussion au codec durant laquelle vous apprendrez que vous avez été manipulé, la porte se referme et du gaz toxique envahit la pièce. Équipez-vous du masque à gaz et appelez Otacon afin qu'il vienne vous ouvrir. D'accord, donc j'ai pas le masque à gaz déjà, je l'avais mais je l'ai plus. Alors on va appeler Otacon. On va appeler Otacon et on a suffisamment de rations pour suivre, je pense. Alors Otacon, il est là, on va appeler pour qu'il vienne nous aider. Snake, c'est une vitre anti-balle. Tu ne pourras pas la briser avec une arme ordinaire. Tu peux ouvrir la serrure de sécurité? Je vais essayer. Attends une seconde. Ok. Ça, c'est vraiment le genre de truc que tu peux pas deviner, quoi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer de tirer au Stinger, sur la vitre. Ah non, ça marche pas. Il me dit, tu pourras pas détruire ça avec une arme ordinaire. Stinger, c'est pas ordinaire, quoi. Une vitre par balle, ça résiste pas à un Stinger, il me semble, hein. J'ai pénétré la sécurité! Snake, j'ouvre la porte! Ok, Otacon! Merci! Allez, vite! Je récupère la ration, je crois qu'il y en avait une ici. Ah, j'avais déjà prise. Ok, go! Oula! C'était Liquid Snake, ça! Ça, c'était Liquid Snake, je l'ai vu, hein. En train de fuir comme une tapette! Liquide! Snake! Super les lunettes, non? Merde! Tu pointerais une arme sur ton propre frère? Pourquoi t'es-tu fait passer pour mineur? Pour te manipuler plus facilement, et tu m'as fait un excellent travail, bravo! Remarque, c'est également ce que doit penser le Pentagone. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu as obéi aux ordres sans poser de questions. Tu as perdu ton honneur de combattant, tu n'es rien de plus qu'un pion, Snake. Quoi?
Empêcher le lancement du missile, sauver les otages, ce n'était qu'une diversion, tout ça. Diversion ? Le Pentagone ne cherchait qu'à te mettre en contact avec nous. Voilà ce qui a tué le président d'Armtech et Decoy Octopus. Tu ne veux pas dire ? Mais si, bien sûr. Tu n'as été envoyé ici que pour nous tuer. Ils auraient récupéré... T'en es le vecteur du virus. ...avec les dépouilles des soldats génomes. Le Pentagone ne s'est servi de toi que comme porteur de Foxdie. Foxdie ? N'importe quoi. Tu prétends que Naomi travaillait pour le Pentagone ? C'est ce qu'il croyait, mais il semblerait que Dr. Naomi Hunter ne soit pas si docile. Hein ? Un de nos espions au Pentagone a découvert que juste avant le début de l'opération, le Dr. Hunter a modifié Foxdie. Mais comment et pourquoi ça ? Serait-ce pour en savoir la raison qu'ils l'ont arrêté ? Sans aucun doute. Mais j'ignorais qu'une vengeance mesquine la guidait, et nous aimerions connaître ses modifications sur le programme Foxdie. Enfin, c'est la guerre. J'ai déjà ajouté le vaccin anti-Foxdie à ma liste d'exigences pour la Maison Blanche. Y a un vaccin ? Sûrement, mais cette femme est la seule qui possède cette information. De toute façon, cela s'avérera sans doute inutile. De quoi est-ce que tu parles ? Tu as réussi à entrer en contact avec chacun d'entre nous, donc nous avons dû tous être exposés au virus. Le président d'Armtech et Decoy Octopus ont effectivement succombé à Foxdie. Mais ni Ocelot, ni moi, ni même toi, le porteur, n'ont été apparemment affectés. Un hic dans la programmation du virus ? C'est possible. Mais tant que tu survis au virus, je ne suis pas inquiet. Après tout, nous avons le même code génétique. C'est donc vrai, nous sommes... Des jumeaux, oui, mais pas ordinaires. Des jumeaux avec une malédiction dans les gènes. Des enfants terribles. Toi, ça va. Tu es porteur de tous les bons gènes du vieux. Moi, j'ai récupéré les gènes ratés. Imparfaits. Il s'est arrangé pour faire de toi son enfant le plus parfait. Je n'ai été créé que pour que l'on puisse te faire exister. J'étais le préféré, c'est ça ? C'est ça ! Je ne suis que ce dont ils ne se sont pas servis pour toi ! Est-ce que tu sais ce que c'est que de savoir que depuis sa naissance, tu n'es qu'une poubelle ? Mais c'est moi que Père a choisi. Voilà pourquoi le Big Boss t'obsède autant. Une sorte d'amour déformé. Ah ! Tout faux ! Je le hais. Il me considérait comme un inférieur, mais... Je tiens ma revanche. Ah, tu devrais comprendre, toi. Toi qui as tué notre père de tes propres mains. Tu as brisé mon rêve de vengeance. Je vais donc terminer le travail que mon père a commencé. Et même faire mieux que lui. Je vais le détruire. Tu es comme Naomi. Oui, mais pas comme toi. Contrairement à toi, je suis fier du destin imprimé dans mes gènes. Attends. Ah. Ça sera le premier que fera couler cette merveilleuse nouvelle arme. Prends-le comme un honneur, un don de ton frère. Maintenant, tu vas voir le pouvoir de l'arme qui nous ouvre la porte du 21e siècle. Il a bougé. Donc là, on va stab contre le Metal Gear. Dire qu'il fallait un peu s'y attendre aussi,
puisque j'avais vu un art sur internet où on voyait Solid Snake contre, face au Metal Gear d'ailleurs. Alors, du coup là, on va... Ah ouais, c'est vrai qu'on peut pas comme ça. D'abord le viser. Boum. Et là, ça lock. Oh! Oh! Ok, on prend cher. On prend très très cher. Ah, c'est cool, là. Il a pété ma couverture. Il a quand même perdu pas... Putain, merde! Se soigner. Je crois qu'il fallait utiliser des chaves-grenades. Envoyer de chaves-grenades. Voilà. Et là, normalement, ça devrait être plus facile. Alors, on sort le Stinger. Stinger, let's go. Faut lock ça, là. Boum. Ok, c'est reparti. Il faut reprendre chaff. Enfin, il faut faire ça... faire ça à l'infini, quoi. Faire chaff. Stinger, chaff, stinger, chaff, stinger. C'est parti. Là, ça va repéter. Du coup, je vais pouvoir le relock ici. Aïe! Vite, la ration. Hop. Alors, on lui a refait des dégâts. Là, je pense qu'on peut même enchaîner. Ouais, on peut enchaîner, c'est parfait. Là, maintenant, on va sortir la chaff. Hop. Chaff grenade. Là, ça va être la petite phase d'esquive. Ok. C'est parti, on ressort Stinger. Boum. Ah ouais, on le touche pas là. On le touche pas, on le touche pas. On va reprendre la chaffe et il va falloir tourner là. Hop 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 hop. Chaffe grenade. Aïe 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 aïe. Est-ce que je l'ai lancé? Ouais, je l'ai lancé, je la vois. Ok, c'est bon, elle a pété. Par contre, je sais pas comment il est tourné. Ouais, là, normalement, je devrais l'avoir. Le vise, Stinger. Là, il y a son truc de merde. Ah, j'arrive pas. Putain, je suis trop proche. Oh là là, il casse les couilles. Mec, sois gentil avec moi. Je suis ton frère, comme tu dis. Hop, même pas. J'attends même pas que ça se lock. Hein. Bah les couilles. Prends la ration. Là, chaff grenade, chaff grenade, chaff grenade. Hop, on lance. Ça s'est lancé. Je sais pas en fait. On est tellement petit que c'est tout pixelisé. Je sais pas si la chagrette s'est lancée ou non. On dirait pas. Hein. Oh là là. Merde. Hein. Chagrette, vite. Ok, là j'ai lancé, j'ai vu. Vite, 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 vite. Pète chagrette. Ok, c'est bon. Là je vois son truc qu'on peut viser. Il est en face de nous. Stinger. Boum. Ok. Je le préfère à Deep Throat. Alors fais-toi. T'as pas bonne mine, Snake. Tu as mal vieilli. Tu vas retourner en enfer! Fox, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis prisonnier de la mort. Toi seul peux me libérer. Reste en dehors de ça, Fox. Et Naomi? Elle cherche vengeance en ton nom? Naomi? Tu es le seul qui puisse l'arrêter. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai tué ses parents. J'étais jeune. Et je n'ai pu me résoudre à la tuer. J'étais si honteux que je l'ai prise avec moi. Je l'ai élevée comme si elle était de mon sang, pour apaiser mon sentiment de culpabilité. Elle me considère toujours comme son frère. Fox. En apparence, nous formions une famille heureuse. Un frère, une sœur,
Et à chaque fois que je la regardais, je ne voyais que les yeux de ses parents. Dis-lui de ma part, dis-lui que le coupable, c'était moi. Ah, voilà! On a presque plus de temps. Tiens, un dernier cadeau de Deep Throat. Je vais arrêter ce bidule! Force! Tu mérites bien ton nom de code, Fox. Mais c'est la fin. Vas-y, tire le Stinger, Fox. Alors tu tires, tu le tueras aussi. Là. Oh bah je tire, hein. Devant toi, je peux enfin mourir. Depuis Zanzibar, j'ai tiré ma révérence. C'est pas vrai. Merde, je peux ou pas? Moi je m'en bats les couilles qui crèvent, tire. Non, tire. Et bientôt, le bout du tunnel. Ok. Oh, comment il l'a fini sans respect. Putain. Personne n'a le droit de se servir de nous. Il s'est pas résigné à tirer. Je n'ai vécu que pour me battre. Je ne savais faire que ça. Au moins, je me suis toujours battu pour un idéal. Snake, adieu. Protéger personne, pas même toi. Meurs. Ok, donc du coup on est reparti pour un combat de boss. Faut que je trouve des... oh putain, mais ça c'est inesquivable. Faut que je trouve des soins ou des trucs parce que là on va pas tenir. Alors lancer du chaff. Oh bah oui. Ah bah oui, bah forcément, c'est beaucoup trop dur. Putain, mais on aurait dû shooter, c'était sûr qu'il allait crever, de toute façon. En plus, il demandait à crever, Grey Fox. On aurait pu tirer le putain de Stinger, mais non. Allez, allez, allez. Ok, c'est bon, c'est parti. Allez, on n'a pas le droit de se rater, j'en peux plus. Là, franchement, j'en ai ras le fion. Allez, les missiles ne touchent pas. Ok, Stinger. C'est super chaud, les gars. Putain, ça fait 20 ans que je galère, là. Chaff, c'est parti. En fait, faut spammer les chaff grenades comme des sales gros. Voilà. Stinger. Hop. On reprend la chaff grenade. On spam, on spam, on spam. Là, il va me rater avec ses missiles. On reprend Stinger. Boum. Chaff grenade. Là, je vais prendre les Stingers qui sont ici. Ah, je connais par cœur en fait. Je vous dis pas combien de temps j'ai galéré sur cette merde là. J'en peux plus. Je commence à connaître le truc par cœur. Stinger. Allez. Pourquoi ça log pas là? Il faut se barrer. La moindre seconde perdue, ça peut être fatal.
Et j'ai tellement perdu de fois contre le boss que je vais faire un perfect quoi. Donc parlons pas trop vite. Ok. On prend échaffe encore. On spam échaffe, on spam échaffe. Voilà, il me rate. Et là, je vais pouvoir sortir le final Stinger. Oh là là, le perfect. Le perfect. Oh, le perfect. Je vais te réduire en poussière. Mais il meurt jamais lui hein. Il survit à un crash d'hélicoptère, à une explosion de Metal Gear Rex, il s'en fout. Encore en train de faire la grasse matinée? Liquide. T'es toujours vivant? Tant que tu restes vivant, moi aussi. Quel dommage. Ta révolution est dans le lac. Ce n'est pas parce que tu as détruit Metal Gear que je vais arrêter de me battre. Te battre? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Un monde où nous combattants serions honorés comme par le passé. Comme nous devrions l'être. C'était le fantasme du Big Boss. Depuis son dernier souhait. Dans sa jeunesse, pendant la guerre froide, il fallait des hommes comme nous. On nous valorisait. On avait besoin de nous. Aujourd'hui, tout est différent. Le monde est dirigé par des menteurs, des hypocrites. La guerre a bien changé. Nous avons perdu notre rang dans un monde où nous sommes inutiles. Un monde qui nous méprise. Tu le sais aussi bien que moi. Après avoir lancé le missile et empoché notre milliard de dollars, nous sèmerons le chaos à travers ce monde affaibli. Nous rétablirons l'honneur. Les conflits créeront d'autres conflits, de nouvelles haines vont éclore, et tranquillement, nous élargirons notre zone d'influence. Mais tant que l'être humain existera, il y aura des guerres. Le tout est de trouver l'équilibre. Père savait quel était le meilleur équilibre. Et c'est la seule raison. Cela ne te suffit pas. Pour nous autres, guerriers. Ce monde-là ne m'intéresse pas. Ah, menteur! Pourquoi es-tu là? Pourquoi continuer à suivre des ordres, des supérieurs qui t'ont trahi? Pourquoi es-tu venu? Je vais te le dire, moi. Tu aimes ces tueries. Voilà pourquoi. Quoi? Dis-moi que j'ai tort. Est-ce que tu n'as pas déjà tué la plupart de mes camarades? Mais c'était... Je t'observais à ces moments-là. Tu resplendissais du bonheur de la bataille. Non, c'est faux. En toi, t'auras un tueur. Ce n'est pas la peine de le nier. On nous a fabriqués comme ça. Fabriqués? Par contre, comme je voulais dire, un milliard de dollars pour une bombe nucléaire. Des enfants terribles. Et c'était vrai. Telle une bombe nucléaire indétectable, c'est pas cher. Hein. Années 70. Leur plan était de concevoir artificiellement le soldat le plus puissant possible. Comme modèle, ils choisirent l'homme connu dans le monde entier comme le plus grand soldat vivant. Le Big Boss. Oui. Père avait été blessé au combat et déjà dans le coma quand ils l'ont récupéré. Ils nous ont créés à partir de ces cellules, par un croisement clonage type 20e siècle et méthode Super Bébé. Super Bébé? Ils ont fertilisé un œuf sans noyau avec l'une des cellules somatiques de père. Ils l'ont laissé se diviser en 8 œufs et les ont transplantés dans l'utérus d'une volontaire. Puis, ils ont retiré 6 des fœtus, afin de faciliter le développement fœtal. Au départ, nous étions des octuplés. Des octuplés? Oui. Nos 6 frères furent sacrifiés à notre développement. Avant même d'être nés, nous étions déjà complices de meurtre.
Nous voilà donc, toi et moi, deux fœtus à l'ADN identique. Mais ils n'en avaient pas terminé avec nous. Ils m'ont utilisé comme cobaye, pour créer un phénotype au gène dominant, pour te créer. Je n'ai eu que les gènes récessifs. Tu m'as volé ma vie avant même qu'elle ne commence. Mais nous ne sommes pas ses seuls enfants. Quoi ? Les soldats génomes, eux aussi sont ses enfants et possèdent son héritage génétique. Mais ils sont différents, puisque numériques. Une fois achevé le projet de génome humain, les mystères de l'humanité furent mis à nu. Grâce à l'ADN paternel, ils furent à même d'identifier plus de 60 gènes soldats, déterminant un panel d'éléments allant du raisonnement stratégique à l'instinct de tueur. Par thérapie génétique, ils implantèrent ces gènes soldats sur les membres des forces spéciales de la deuxième génération, les transformant ainsi en soldats génomes. Eh oui, les soldats que tu as tués comme des mouches sur cette base étaient nos frères et portent les mêmes gènes que nous. Les soldats génomes ? Mais parfaitement. Ce sont nos frères, créés artificiellement par l'alignement de nucléotides afin d'imiter les gènes paternels. Ils sont également le produit de nombreux sacrifices. Sacrifices ? Des expériences sur l'homme. 1991, la guerre du Golfe. Des soldats furent secrètement vaccinés avec des gènes soldats. Un des effets secondaires en fut le syndrome de la guerre du Golfe, qui affecta des milliers de soldats. Ridicule! Le syndrome de la guerre du Golfe a résulté de l'exposition à une fuite d'uranium des munitions anti-char. Ça, c'est une des versions officielles du Pentagone. Comme la névrose traumatique, les armes chimiques, les armes biologiques, etc., etc., etc. Les unités de détection anti-gaz et les piqûres anti-sarin n'ont servi qu'à couvrir les expérimentations génétiques. Et donc les prétendus bébés de la guerre du Golfe déclarés récemment par les vétérans sont... Oui, ce sont également nos frères et sœurs. Et les soldats génomes sont la preuve que ces expériences ont réussi. Réussi ? Mais ils n'ont taré ! Elles sont un échec complet ! Nous sommes au bord de l'extinction. Quoi ? Tu as entendu parler de la théorie de la symétrie ? La nature a tendance à préférer la symétrie. Les espèces qui se sont éteintes ont toutes montré des signes de symétrie. Et c'est bien là le problème des soldats génomes. C'est le mien. Et c'est aussi le tien. Eh oui, au niveau génétique, nous sommes sur le point de mourir. On ne sait pas quand et quelles maladies vont se déclarer. On a donc besoin des informations génomiques du vieux. Tu veux récupérer l'ADN de Big Boss pour sauver ta famille ? C'est très émouvant. Mère Nature n'aime pas l'accouplement des membres d'une même famille. Et pourtant, ils s'entraident pour survivre, tu sais pourquoi ? Cela augmente les chances que leurs gènes soient transmis à une nouvelle génération. L'altruisme familial n'est qu'une réponse à la sélection naturelle. On l'appelle la théorie du gène égoïste. Tu prétends donc que ce sont tes gènes qui te poussent à sauver les soldats génomes ? Nos gènes sont une fatalité, tu sais. Les êtres vivants ne naissent que pour transmettre les gènes de leurs parents. Voilà pourquoi je me dois de suivre les ordres de mes gènes. Et je vais même aller plus loin. Je vais briser la malédiction de mon héritage. Et pour ce faire, d'abord, je dois te tuer. Regarde derrière toi. Meryl ! Elle est vivante ? Pas sûr. Elle l'était encore il y a quelques heures. Elle n'arrêtait pas de t'appeler. Meryl ! Quelle idiote !
tombée amoureuse d'un homme qui n'a même pas de nom. J'ai un nom. Oh que non! Nous n'avons ni passé ni futur. Et même si nous en avions un, ce ne serait pas le nôtre. Nous ne sommes que des copies de notre père. Relâche, Meryl. Dès que nous aurons réglé nos petites affaires, on n'a presque plus de temps. Tu veux parler de Foxdie? Non. Il semblerait qu'ayant appris la destruction de Metal Gear, le Pentagone aurait pris une décision. Ils n'ont même pas à prévoir les pertes éventuelles. Pour plus de détails, tu n'as qu'à demander à ton cher colonel Campbell. Colonel, tu me reçois? Oui, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe avec le Pentagone? Et je veux des réponses. Le secrétaire à la Défense vient de prendre le contrôle actif de cette opération. Il est en route par AWAC. Pourquoi faire? Un bombardement aérien. Quoi? C'est pas tout. Des bombardiers B-2 viennent de décoller de la base aérienne de Galena avec à bord des bombes atomiques B-71-13 marteau-piqueur. Mais Metal Gear a été détruit. Dis-le au secrétaire à la Défense. Le secrétaire a été informé du double jeu de Naomi et s'inquiète pour Foxdie. Et maintenant que la menace d'un tir nucléaire par Metal Gear a disparu, il veut effacer toute trace de ce qui s'est réellement passé ici. Il va faire disparaître toutes les preuves avec une bombe atomique et se débarrasser de tous les témoins. T'inquiète pas, Snake. Je vais arrêter l'opération. Comment? Je ne suis peut-être qu'un commandant de papier, mais je suis toujours officiellement à la tête de cette mission. En ordonnant un délai, je vais perturber la chaîne de commandement et gagner du temps. Mais colonel, si tu fais ça... C'est pas grave, Snake. Foxhound était déjà le sujet d'une investigation secrète. Ils ont transféré Meryl sur cette base juste avant l'attaque terroriste, uniquement comme moyen de pression. Les salauds. Je suis désolé. Ils ont obtenu ma coopération en faisant du chantage sur sa vie. Tu ferais mieux de sortir de là, Snake. T'es sûr? Ça va pas être bon pour toi. C'est le moins que je puisse faire après tous ces mensonges. Colonel. Je vais donner l'ordre d'annuler le bombardement. Ça va tout déclencher. Hey, mais qu'est-ce que vous faites? Snake! Mailing, qu'est-il arrivé au colonel? Je crois pas! Qu'est-ce qu'il y a? Snake, le colonel! Roy Campbell vient d'être relevé de ses fonctions. Ici Jim Hausman, secrétaire à la Défense. Je veux parler au colonel. Il vient d'être arrêté pour divulgation d'informations top secret et pour crime de haute trahison. C'est ridicule. Oui, ridicule, c'est le mot. Le fou croyait qu'il était réellement à la tête de cette opération. Espèce de... Et bientôt, toutes les preuves se seront volatilisées. Je suis sûr que le président voudrait la même chose. C'est un ordre du président? Le président est très occupé. Ici, c'est moi qui commande. Et comment allez-vous expliquer une attaque nucléaire sur l'Alaska aux médias? Aucun problème. Nous avons une couverture très convaincante. Des terroristes ont fait exploser un équipement nucléaire. Pas bête. Tous les témoins disparaissent. Les scientifiques, l'armée génome, tout le monde. Donald, le chef du DARPA, est déjà mort. Donc vous n'aviez pas l'intention de tuer le chef du DARPA? C'était... mon ami. Mais vous vous tapez complètement de ce qui va arriver aux autres, hein? C'est exact. Mais si vous me remettez le disque optique, je pourrais les épargner. De quoi est-ce que vous parlez? Les données du test de Metal Gear. Donald devait les ramener. Je ne les ai pas. Je vois. Bon, c'est pas grave. Vous êtes tous deux la honte des années 70. Le sale petit secret de notre pays. On ne peut pas vous laisser vivre. Bon, les bombes ne vont pas tarder. Alors rattrapez le temps perdu avec votre frère. Adieu. Pour nous, hâte sortie de secours. Finissons-en avant l'attaque aérienne. Tu m'as tout pris, tout volé. Ta mort seule pourra me satisfaire. Elle seule pourra me rendre ce qui me revenait de droit.
Oh, quel joli sacrifice pour notre dernier affrontement. Tu vois ça? C'est le temps qu'il nous reste pour notre ultime combat. Ce module nucléaire lancera un missile à la seconde même de sa mort. Si tu gagnes, tu auras une chance de la sauver. Et tu pourras même vivre une minute d'amour avant la fin. Dépasse cette limite et tu tombes. Et à cette hauteur, c'est la fin, même pour toi. Putain les gars, c'est un truc de ouf, Metal Gear Solid. Waouh. Moi je m'étais fait avoir par le coup de ouais, moi j'aime Meryl, hein, moi j'aime Sniper Wolf, mais en fait l'auteur s'en contrebat les couilles. Il a mis de l'amour dans son histoire pour en mettre, mais il s'en contrebalance. Le type met son scénario, il déchire sa race. Les théories du génome, etc. Mais il a. Oh là 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 là. Ah, franchement, Metal Gear, c'est du super méga lourd, c'est de la bonne cam, moi je vous le dis. Franchement, tout ce qu'a dit le frère de Snake, en fait, c'est ouf. C'est le centre du scénario et le centre du message de l'œuvre. J'étais captivé devant mon écran et j'ai encore plus hâte de voir les opus suivants, quoi. Putain, mais je vais finir par tomber dans le vide. Hein. Il est fort, ce connard de liquide, là. Remonte. Allez, 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 faut que je le batte, faut que je le batte. Donc en fait, faut faire ça. Oh putain, mais il est vraiment très très fort. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'on met chacun de notre tour des coups. Et qu'on peut pas faire autre... Ah non, c'est bon, là j'arrive, je le bats. Ok. Ok, 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 ok. Hop, le quick. Putain les gars, on a bientôt fini le combat final je pense. Ça manque de Michael Bay quand même un petit peu là. C'est vrai que quelques petites explosions en même temps qu'on se tape, ça aurait été vraiment stylé. Allez, allez. Ah putain, c'est dur. Hein. J'ai pas le droit de perdre là, hein. Franchement j'ai pas le droit de perdre. Allez, un combat final comme ça, ça doit se faire d'une traite. On n'a pas le droit de galérer sur un truc comme ça. Enfin si, galérer ouais, mais pas de récit quoi. Oh, oh merde, quel con. Oh, je suis trop con. Ah c'est bon. J'ai cru que j'avais perdu là. Oh là là, le mec il me fait des trucs de catcheur. En plus il y a le time qui se rajoute à ça. Oh là là. Oh la tension, je vous dis pas. Oh merde! Oh, putain, il a repris l'avantage. Oh là là, mais il est en train de me dégommer. Oh, il m'a eu. Non, c'est sérieux. Putain, il m'a battu quoi. J'avais dit que j'avais pas le droit de perdre là, merde. Ah, c'est à la fin, il s'est vénère. Il était intouchable quoi. Il enchaînait comme un gros bâtard. Allez, on y retourne. Je me concentre. J'ai trop joué là. Je transpire des mains. Je glisse quoi. En plus c'est dur avec les flèches directionnelles de bien viser. Ouais, j'enchaîne. Oh putain, il m'a brain. En fait dès qu'il se met en garde, c'est compliqué quoi. Faut le taper quand il se la pète là. Quand il monte bien son nombril. Là il est en garde, faut attendre. Ok. Yes. Je suis bien parti.
Ok. Oh là, je l'enchaîne. En plus, je le coince contre le mur, là, je lui mets la pression. Ah putain, c'est dur, je vous raconte même pas. Non seulement c'est dur avec les touches directionnelles, mais en plus c'est que ça glisse quoi. Ah merde. Ah putain. Là il devient chaud. Au moment où il a plus beaucoup de vie comme ça, là il devient très très chaud. Voilà, regardez, putain, ça devient dieu. Ok. Ah putain, ça il faut esquiver parce qu'après on a une porte d'ouverture pour le défoncer. Ok, là il est sur le point de tomber. Ça j'esquive. Ok. Hop. Un ou deux derniers enchaînements et là on est bon. Ah merde. Meryl, tu vas bien? Tu vas bien? C'est tout ce que tu as à dire? Meryl, ça a dû être terrible. Oh, pas tant que ça. J'ai pas craqué sous la torture. Torture? Mais s'il y avait que la torture. Je me battais. Tout comme toi. Tu es fort, tu sais. Les combattre m'a rapproché de toi. J'avais l'impression que tu étais à mes côtés, et ça m'a donné la force de continuer. Mais j'avais peur. Je suis désolé. Dis pas ça. Mais j'ai réalisé quelque chose. Une seule pensée me hantait pendant que je souffrais, pendant qu'il m'humiliait. Un seul espoir qui m'a permis de rester en vie. Snake, je voulais te revoir. Meryl. C'est mon codec. Snake, c'est moi. J'ai de bonnes nouvelles. Meryl va bien. Génial. Tu l'as sauvé, mon vieux. Bien joué. J'en ai également de mauvaises. On va nous bombarder. D'accord. Nous ne sommes pas considérés indispensables. Est-ce qu'on a un moyen de sortir d'ici? Ouais. Tu peux emprunter le tunnel de chargement jusqu'à l'extérieur. Il y a un garage juste à côté. Le tunnel commence là et s'achève à l'extérieur. La porte en face? Non. Il y a une petite entrée à l'ouest de cette porte. Et pour les sécurités? Je viens de les déverrouiller. Tu parles à un spécialiste, mon cher. Je m'occupe aussi des sécurités de ton parcours. Mais toi, tu vas faire quoi? Moi? Je reste ici. Ça va pas, non? J'ai besoin d'un peu de temps pour préparer ton évasion. Mais... Déverrouiller la sécurité des portes, c'est dangereux. Je suis le seul qualifié. Oh, ta conne. Mais t'inquiète pas. J'ai choisi de rester. C'est ma décision. Oh, ta conne. Nous sommes dans un abri renforcé. Mais ils utilisent une bombe atomique marteau-piqueur. Je ne veux plus vivre dans le passé. La vie ne se résume pas à ce qu'on a perdu. Snake, je suis devenu un être à part entière. J'ai une raison de vivre. C'est bien. Reste en vie. Toi de même.
Et attention à Meryl, ok? D'accord. Bon, il faut que j'y aille. Je m'occupe de ton évasion, c'est promis. Merci. Merci. Ça sonne bien. Je crois en toi. Merci, Snake. Allez, faut qu'on file d'ici. Mais lui? Où est Otacon? Il est en train de se battre contre lui-même pour devenir l'homme qu'il veut être. Il se bat aussi pour nous? Ouais. Et j'espère que c'est pas pour rien. Bien, d'accord. Meryl. Snake. Meryl. Et c'est parti. Je dois être lourde. Je crois que pour la scène d'amour, c'est encore raté. On dirait. Quel dommage. Allez, sortons d'ici. Snake, gèle dehors. Faudrait que tu t'habilles. Regarde, ma combinaison. Dépêche-toi. Vite. C'est pas mal, Snake. Ok, donc on doit se barrer d'ici. En avant. Bah on aura fait un long épisode pour la fin. Hein. C'est vrai que ça m'arrive, mais là je m'attendais pas. Une caméra. Et ça change quoi qu'il y ait une caméra en fait? Pas de clé. Oh merde. Ils sont sérieux les mecs, ils vont se faire bombarder. Ils ramènent leur gueule quand même. Sérieux les gars, mais fuyez plutôt. Oh putain. Est-ce que je peux monter? Peut-être. Ok, go go go. Oh, j'ai la mitraillette. Allez, 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 crevez tous. Ok, c'est bon. Mais t'en es marre de ces méchants qui sont cons. Même dans les films, ils font ça. Tu sais qu'il y a tout qui va péter et eux, ils pensent qu'à te buter, quoi. Et sauvez votre peau, merde. C'est pas conduire. Je veux pas faire le sexiste, mais bon. Ok, c'est bon, on est parti. Oh là, ça sent la grosse phase de malade. Donc on pilote pas le véhicule, on a juste la mitraillette. Je vais tester quelques petites touches. Ok, en avant. Alors sur quoi je tire là? Je suis, mais comme des bolosses. Voilà, bloquez-le. Les gars, sauvez votre cul plutôt. Ok, j'ai mis un passage là. Par vite. Tu peux aller où tu veux. Ah oui, bah go hein. C'est toi qui conduis hein, juste au cas où. Je tiens à te le rappeler. On va commencer à tirer en avance. Comme ça là. Peut-être qu'on touchera les barils explosifs plus rapidement. Et voilà. Putain, mais c'est dur. Pourquoi ça vise pas automatiquement? C'est trop dur. En plus lui, j'arrive pas à le toucher. C'est impossible. Ils peuvent pas mourir d'une balle. Comme ça, j'ai juste à faire des tournants. Il y a pas moyen de se cacher un peu parce que là, je prends tous les damage. Ils sont en train de me free des PS là. Oh là là, je me fais niquer. J'ai des rations. Ouais, j'ai des rations. C'est bien. On va s'en équiper comme ça, on est bon. Je peux pas me baisser, non? Je peux pas me baisser. Hein. Défonce le truc. T'aurais dû faire ça dès le départ. Partez vite, Snake. Ce n'est pas fini. Liquide. C'est pas possible. C'est
C'est possible d'être aussi obstiné, mais arrête! Oh. Il abuse, le mec. Franchement, t'abuses. Reste dans ta maison. Meurs avec tes machins nucléaires, là. Je peux même pas viser plus bas, quoi. Je mets tous les dégâts que je peux, là. Regarde un petit peu la tête. Hop. Allez, allez. Moi, j'arrive pas à le toucher. Voilà. On a une vie de véhicule, non? Je sais pas. Là, il fait juste son putain de relou, là. Allez, mec, tu t'es pris 8 balles de putain de mitraille dans la gueule. T'es tombé du Metal Gear de je ne sais pas combien de mètres de hauteur. Il y a un moment où il faut se décider à mourir, monsieur. Comment je vais faire pour le viser bien, là? Je sais même pas où vers où je tire. J'arrive pas à la voir. Je sais même pas où mes balles elles vont. Ah là je devrais l'avoir. Touche-le. Il va me tuer putain. Ok c'est bon je l'ai eu. Oh mais est-ce que vous voyez où est-ce que les balles elles arrivent en fait? Parce que moi je vois pas du tout. Et lui il m'ajuste mais comme un putain de professionnel. Ok je l'ai touché une deuxième fois. Je vais mourir avant lui hein. À ce stade je vais mourir avant lui mais vous voyez vous où je tire putain. Ok, je l'ai eu une troisième fois, mais faut que tu crèves maintenant, gars. Il va me niquer, putain. Non, non, non. Ok, crève, s'il te plaît. Non. Mais t'avais pas le droit, putain. Mais j'ai pas le droit de mourir à un moment comme ça. C'est pas possible. Même à toute fin où t'as la course poursuite, je meurs, quoi. Oh là là. Franchement, ils ont déconné. Et là, on va se retaper. On se retape encore tout. Oh non, c'est pas possible. Putain. Et le jeu, il va jamais se terminer. Hein. Ce jeu ne se terminera jamais. Prendre la ration, là. Je prends le volant. Donc là, du coup, il va y avoir la cam. Ce qu'on va faire pour pas perdre de vie dès le départ, en fait, c'est qu'on va se planquer. Quoique, non, en fait, je peux les taper ici. Hop. 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 Ok. Là, il faut que je me prépare à monter dans la voiture. Laissez-moi tranquille. C'est bon, allez, je baisse. Ok, c'est bon. Go. Démarre, Meryl. Toi, tu meurs. Faut vraiment se concentrer là, en fait. Hein. C'est super chaud. Putain, mais je peux pas tourner plus vite ma mitraillette. Je suis obligé de me prendre des dégâts. En plus, la caméra, elle est dégueulasse. Mais regardez comment je tourne à une vitesse de connard. Et je peux même pas me baisser. Encore si je pouvais me baisser. Laisse-toi, fais quelque chose. J'ai pris trop cher. Oh putain. Allez. Je vais y arriver. C'est long. Ce jeu ne veut pas se finir. Et voilà. Péter truc, allez, faut péter ça. Putain, c'est insupportable à viser. Allez, vite, Meryl, là, dépêche-toi. Ah oui, on y va, allez. Appuie sur le champignon un petit peu. Ah bah, je crois que j'ai déjà perdu beaucoup trop de vie. C'est vraiment dur. Hein. C'est vraiment chaud. Ok. Donc, attends, lui, il faut le tuer. Ok. Je l'ai pas eu. Meurs, s'il te plaît. Ok, 2-1. Mais je vais déjà. Je vais devoir déjà utiliser la première ration là. En plus, je n'ai qu'une ration. Mais je peux pas faire mieux que ça. Putain, ça me saoule. Crève. Il me faudrait au moins 3 rations là pour être sûr de réussir. Allez, fonce, Meryl. La cinématique d'ailleurs, si tu peux. Pas. Liquide. Allez, je me concentre. Je suis en mode méga concentration là.
y en a ras le cul, je ne peux pas reperdre là, je commence à avoir super mal au dos en plus. Là faut que je m'allonge là, putain j'en peux plus. Ça fait trop longtemps que je tourne. Et genre tu m'as touché, ça fait une heure que je te tiens dessus là. Je peux pas faire mieux. Allez gars, arrête d'abuser. C'était vers là qu'on était mort tout à l'heure. Passer au moment où il y a les poteaux là, il va falloir que je me concentre à fond parce que c'est super dur. On voit pas du tout vers où on tire quoi. Bah c'est là. Est-ce que vous voyez où je tire? Plutôt bien tenu là. Arrête de me toucher un peu. Mais comment ça se fait? Mais regarde la lumière qui s'ouvre. Putain, c'était chaud. Secouer. Meryl, tu peux bouger? Inutile, je suis coincée. Qu'est-il arrivé à Liquid? Je le vois pas non plus. Liquid est mort. Bon sang. Snake! Mais merde! C'est quoi ce type? C'est un putain d'homonculus! Au cas où on n'aurait pas compris de quoi il meurt, tu sais, il te le dit, c'est juste pour justifier scénaristiquement sa mort au dernier moment. Foxstar. MDR. Ouais, tends bien le bras où il n'y a pas d'arme pour pas nous tuer, hein. Allez, crève. Mais s'il meurt, ça veut dire... Snake, ne dis rien. Et le bombardement. Pas d'avion furtif en vue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Snake, tu me reçois? Colonel. Tu vas bien? Colonel, que s'est-il passé? Le secrétaire à la défense vient de partir à la retraite. Brusquement. Arrêté? J'ai pu entrer en contact avec le président. Metal Gear, l'exercice, tout ça... Le secrétaire à la défense n'agissait que de son propre chef. Tu parles d'un chef. Et qu'est-il arrivé à l'attaque aérienne et au bombardement? Les ordres ont été annulés. Les F-117 et les B-2 Spirits viennent de retourner à leur base. J'ai de nouveau toute autorité sur cette opération. Je vois. Washington n'est pas bête au point de lancer des bombes atomiques pour couvrir quelques secrets. Moi, j'en suis pas si sûr. En tout cas, le danger est passé. Merci, Snake. Colonel, tu peux respirer. Meryl va bien. C'est vrai? Merci, Snake. Merci. Je suis désolé de t'avoir caché tant de choses. C'est pas grave, colonel. Snake, je ne suis plus colonel. Ah ouais, c'est vrai. J'ai un cadeau pour toi.
Près de toi, il y a une snowmobile. Mayling l'a détectée sur les photos satellites. Les glaciers ne bougent pas trop à cette époque de l'année, tu pourras l'utiliser pour sortir de là. Les types de la DIA et de la NSA ne s'attendaient sûrement pas à t'en voir sortir vivant. Remarque, moi non plus. J'ai intérêt à disparaître. C'est déjà fait. Vous êtes officiellement morts tous les deux, noyés dans l'océan. Il ne s'en est fallu que d'un cheveu. Il y a aussi un hélicoptère qui vous attend sur l'île Fox. Le docteur Alemric doit se trouver quelque part sur la base. Fais-le ramener. C'est d'accord. Je m'en occupe. Ok, Roy. Est-ce que ça va aller? T'inquiète pas. J'ai une police d'assurance. Une copie de toutes les données de Mayling. Alors toi, Mayling et moi, on n'a rien à craindre. L'énergie contenue dans ces nanomachines va bientôt s'épuiser. Ils ne pourront plus nous suivre. Je suppose qu'on ne se verra plus. Mais si... Je viendrai bien te rendre visite. Mais j'espère bien. Roy, dis-moi une chose. Quoi? À propos de Fox Dye. Meryl n'a rien à craindre. Elle ne faisait pas partie du programme. Et moi? Si la tue liquide? Naomi a dit qu'elle voulait en parler avec toi face à face. Où est-elle? Ne t'inquiète pas. En ce moment, elle est avec Mayling. Je te passe Naomi. Snake, c'est moi. Naomi. J'ai appris. Pour mon frère. Je suis désolé, mais il voulait vous faire passer un dernier message. Ah ? Il m'a dit de vous dire de l'oublier et de commencer à vivre votre propre vie. Franky a dit ça ? Ouais. Il a dit aussi qu'il vous aimerait toujours. Naomi, sachez que votre frère vous a sauvé. Vous, moi et le monde entier. Il s'est battu avec chaque grain d'énergie qu'il avait. Peut-être. Peut-être qu'il a enfin trouvé la paix. Il n'était plus vraiment mon frère. Depuis qu'il s'était battu avec vous à Zanzibar, il n'était plus qu'un fantôme. À la recherche d'un lieu pour mourir. Naomi, Liquide a succombé à Fox Dye. Est-ce que moi aussi je vais en mourir? Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Chacun de nous meurt quand il est temps. Ouais. Et c'est quand, mon temps? Vous décidez de ce que vous faites pendant ce laps de temps. Vivez, Snake. C'est tout ce que je voulais dire. Nous avons notre destin gravé dans notre code génétique. C'est un fait. C'est inchangeable, immuable. Je viens enfin de réaliser que la vie ne se limite pas qu'à ça. Je vous l'ai déjà dit. Je me suis intéressée aux gènes et à l'ADN parce que je voulais savoir qui j'étais, d'où je venais. Je pensais que l'analyse de mon ADN pourrait révéler qui j'étais, qui étaient mes parents. Et je pensais que cette information m'indiquerait une direction pour ma vie. Mais j'avais tort. Je n'ai rien trouvé. Et je n'ai rien appris. C'est exactement comme pour les soldats génomes. L'implantation de toutes les informations génomiques ne fait pas de meilleurs soldats. En fait, l'ADN ne révèle que ce qui régit le potentiel de force d'un individu. Sa destinée potentielle. Il ne faut pas s'enchaîner à sa propre destinée. Se laisser dominer par ses gènes. Les humains ont la possibilité de choisir leur vie. Snake, que tu sois ou non dans le programme Fox Dye, n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu as choisi la vie. Alors, vis. Tu ne crois pas, Snake? Ne t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai choisi de vivre. Jusqu'à aujourd'hui, je cherchais une raison de vivre. Maintenant, je vais juste vivre. Les gènes n'existent que pour transmettre nos espoirs, nos rêves vers le futur par nos enfants. Mais ils ne sont qu'une partie de nous. Nous pouvons nous connecter au futur en vivant. La vie, c'est notre lien avec le futur. Ça marche comme ça.
En nous aimant, en apprenant, voilà comment on peut changer le monde. Je viens enfin comprendre le vrai sens de la vie. Snake, merci. Regarde, j'ai trouvé ça. Gardons-le, en souvenir. En souvenir d'une mission réussie? Ou du moment où on s'est rencontrés? Un mode d'emploi de la vie. Hein? Jusqu'à présent, je n'ai vécu que pour moi-même. J'avais fait de ma survie le but unique de ma vie. Tu n'es pas le seul. On est tous pareils. Je ne me sentais vivant qu'en fixant la mort bien en face. Va savoir, c'était peut-être écrit dans mes gènes. Bon, et pour la suite? Ils te disent quoi, tes gènes sur le futur? Peut-être que je dois vivre pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Ouais. Quelqu'un comme toi. Peut-être est-ce la vraie vie. Bon, Snake, on va où? Dave. Je m'appelle Dave. Ok. Alors Dave, on va où? C'est le moment de prendre une autre direction. Une autre direction? Un autre but. On va le trouver? Je crois, oui. Oui, je crois. C'est quoi ça? Des caribous. Pour les Aleutiens, c'est le symbole de la vie. Le printemps sera bientôt là. Pour nous aussi? Ouais. Tout se renouvelle au printemps. C'est le temps de l'espérance. Ça fait longtemps que je vis ici. Mais l'Alaska ne m'a jamais paru aussi belle. Le ciel, la mer, les caribous, et surtout, toi. J'ai dans l'idée que je vais aimer cette vie. Allez, si on vivait un peu. Et voilà les amis, c'est fini pour Metal Gear Solid, premier du nom. En tout cas, ce fut quand même un plaisir globalement de le faire. C'est vrai que j'aurais bien ragé, mais bon, j'ai envie de dire, c'est les aléas finalement des vieux jeux. Hein. Souvent, voilà, faut laisser le temps aux créateurs de s'améliorer. Et c'est ce qu'on verra donc sur les opus suivants. Vous l'aurez compris, ce qui m'aura vraiment déçu en fait par-dessus tout, c'est les phases très gnangnan, ouais, l'amour, enfin cette scène finale, voilà. Ça, c'est des trucs très très classiques qui jouent dans le sentimental, et moi je trouve que c'est facile de jouer dans le sentimental finalement. Sauf que moi, le sentimental, ça me fait aucun effet. Je sais que ça fait beaucoup d'effet aux autres, que voilà, dès qu'on parle un petit peu d'amour, de sentiments, voilà. T'as déjà captivé les 99% de la population. Mais moi, ça passe pas. Moi, il faut me capter avec de la science, etc. Donc, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est tout le domaine sur les gènes, les théories qui existent. Hein, les théories sur la symétrie sont réelles. Donc,
Donc franchement, tout ça, c'était intéressant, les nanomachines, etc. C'était très 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 bien trouvé. Si je devais parler au nom de Hideo Kojima, je pense, hein, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait deux auteurs, en fait, dans ce jeu vidéo. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y avait deux auteurs. Un auteur qui était là pour apporter du vrai renouveau, des idées, en fait, de la recherche. Et je pense que c'est Hideo Kojima. Et après, il y avait cet auteur qui était là plutôt pour faire dans le commercial, tu vois. Pour faire dans le redondant, pour faire dans l'amour, pour faire dans les scènes d'action qu'on peut retrouver dans beaucoup de films américains. Donc il y avait ça, il y avait l'originalité, et de l'autre côté, il y avait le commercial. On peut voir ça souvent dans certaines séries, où on voit vraiment qu'il y a de l'idée et qu'à côté, il y a beaucoup de commercial. Parce qu'avant tout, il faut quand même vendre. Donc, moi, je pense que Kojima, le génie de Kojima, on le retrouve dans ce premier opus. Mais qu'en fait, tout ce que vous pouvez reprocher, tout ce que vous avez trouvé, en fait, pas original, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, bah, cette scène où de la course-poursuite, on la voit 300 fois dans le monde, dans chaque film, le coup du méchant qui meurt jamais, le coup de la scène d'amour à la fin, voilà. Ça, tu vois, c'est du commercial. Mais franchement, je trouve que c'est passé crème, quoi. C'est passé comme ça. C'est passé... même si c'était la scène finale qui pouvait paraître lourde, c'est passé dans le tas de génie, en fait. Tu vois, t'avais une sorte de... comme une grosse purée de génie, et on essaye de t'enfiler dans cette purée, je sais pas moi, un bout de ketchup commercial. Donc ça, le ketchup est censé donner meilleur goût, sauf pour ceux qui n'aiment pas le ketchup. Et il y avait tellement de purée pour si peu de ketchup, tu vois, c'est fou la métaphore que je suis en train de faire, que finalement c'est passé tout seul. Donc ça reste quand même un excellent jeu. J'ai vraiment hâte de connaître la suite, et pas vraiment la suite, puisque finalement, comme j'ai dit, ça ne se suit pas chronologiquement parlant. Donc on va pouvoir contrôler Big Boss, en savoir plus sur l'histoire en fait. On va approfondir. En tout cas, je suis vraiment heureux de m'attaquer à cette saga des Metal Gear. Et voilà, on se retrouvera donc très rapidement pour le Metal Gear Solid 2. Je sais pas s'il s'appelle Snake Eater ou si c'est le 3, on va voir ça. En tout cas, on va se laisser là. Je vais vous laisser là. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss et à la prochaine. Il ne faut pas s'enchaîner à sa propre destinée, se laisser dominer par ses gènes. Les humains ont la possibilité de choisir leur vie. Ce qui est important, c'est que tu as choisi la vie. Alors, vis! Oui, monsieur. L'entière unité a été balayée. Oui. Oui, monsieur. Oui, ces deux-là sont en vie. Le vecteur. Oui, monsieur. Foxdie va s'activer
très bientôt, comme prévu. Oui, monsieur, j'ai récupéré les données de l'exercice Rex. Non, monsieur. Ils ne savent toujours pas qui je suis vraiment. Oui, le chef du DARPA connaissait mon identité, mais... ce n'est plus un problème. Oui. Finalement, c'est l'inférieur qui a gagné. C'est exact. Jusqu'à la fin, Liquide a toujours pensé qu'il était l'inférieur. Oui, monsieur. Je suis d'accord. Pour diriger le monde libre, on a besoin d'un individu aussi équilibré que vous. Non. Non, personne ne sait que vous êtes le troisième Solidus. Que voulez-vous que je fasse de la vie? Bien, monsieur. Je la garde sous surveillance.